Here at Kingston, we're known for a bunch of things. Like these, this guy, and this beast. But did you know that Kingston products are everywhere? Rebonjour tout le monde. Marc ici dans le kiosque de Image Tech, toujours Omega Mix. On est ici avec notre cher ami Daniel Ouimet de Kingston Technology. Daniel, comment ça se passe pour toi? Comment ça va? Ça va super bien, toi? Numéro un, ça va très bien, merci. Donc ton mix, c'est pas ton premier mix? C'est pas mon premier mix. Écoute, aujourd'hui, il est fantastique. Pour moi qui est un gamer depuis tellement d'années, écoute, c'est extraordinaire d'être ici, de faire le tour, de voir également des jeux hein, que j'ai joués, des remakes, des choses comme ça. Écoute, il y a une affaire de Dead Space, je pense, le remake de ça. Oui, oui, oui. Extraordinaire, j'ai hâte de jouer à ça. Ubisoft, fantastique. Écoute, c'est vraiment impressionnant. Quel studio t'a impressionné le plus cette année? Écoute, c'est dur à dire. Je te dirais qu'il y a vraiment quelques studios qui sont intéressants. Regarde, comme je disais, Ubi, c'en est un. Je pense que dans d'autres... Écoute, même une chose qui m'a intéressé, en fait, c'est tout le... Je pense qu'il y avait PWT, pas nécessairement, puis il y en avait un autre également qui font tout du game testing. C'est quelque chose de nouveau un peu pour moi, ça. Okay. Je n'étais pas familier avec tout ça. J'ai trouvé ça intéressant. Toutes les compagnies, comme ils donnent des contrats, dans le fond, ils donnent le jeu à une autre compagnie pour déboguer, trouver des... Oui. Qu'importe ce qu'il y en est. Fait que ça, j'ai trouvé ça le fun avec. Mais regarde, dans l'ensemble, je donne kudos à peu près à 20 du monde. Mais non, c'est bien. Là, payons les factures un peu. Parlons de Kingston Technology. OK. Donc... SSD, what do you got? Écoute, du côté Kingston, on est dans un gaming show. Fait que notre ligne, c'est Fury. Principalement, il y a deux choses qu'on pousse en ce moment. On a le DDR5, puis le Fury Renegade. Et puis, Fury Renegade, en fonction avec on appelle ça un heatsink en français. Comment? Un dissipateur de chaleur, all right? En graphène ou encore en métal, 5300 MB seconde, 1 million d'IOPS en termes de rapidité. Fantastique, ça va super bien le monde du gaming. Compatible PlayStation 5. Fait que ça va bien. Un autre produit qu'on pousse, évidemment, c'est le DDR5. Right, avec les machines, 6400 MHz, toutes les mémoires sont sorties, on est en blanc maintenant. Développeurs, intégration de système, on met les mémoires, dernier cri. Écoute, on a AMD qui ont sorti le CPU, Intel c'était l'année passée. Écoute, on a toute la gamme de produits, on travaille avec Asus, MSI, on travaille avec une gang de, évidemment, de manufacturiers. On s'assure que les mémoires sont bien certifiées, qui fonctionnent bien. Alors ça, c'est excitant aussi là, pour les futures générations. Donc justement, puis là, sur le roadmap, qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui s'en vient pour chez Kingston? Qu'est-ce que je peux dire sur le roadmap? Écoute, j'ai bien des choses, mais je peux malheureusement pas vraiment en parler. J'ai essayé quand même. I tried. J'aimerais ça, mais regarde, il y a des belles choses qui s'en viennent. Ça va être annoncé probablement dans le premier quart de 2023. Peut-être au CES avec. On va être au CES. Alors, regarde, souvent, ils font des annonces surprises. Dis-moi, pour les end-users, pour les gamers, meilleure place pour aller acheter vos produits? Meilleure place pour acheter les produits pour le consommateur? Pour le consommateur. Pour le consommateur, pour acheter nos produits, bien, je dirais qu'ils sont disponibles à différents endroits. Si on est consommateur, évidemment, il y a les grandes surfaces. Tu sais, on a du Best Buy. On a les Canada Computers qui ont l'ensemble de nos produits, qui sont des bons endroits. Bien, moi, je dis tout de suite au niveau de... Évidemment, si c'est des systèmes haute performance que vous cherchez. Je pense que je sais où est-ce que tu t'en vas avec ça. Je te laisse continuer. Ben gars, je pense que c'est la place, puis pas juste parce que je suis ici avec vous aujourd'hui. Là, je pense que ça fait des années qu'on travaille ensemble. Vous fabriquez un produit de qualité, vous assurez d'avoir des composants avec lesquels vous avez le backing du manufacturier, pour être capable de transférer ce service-là, cette garantie-là à vos clients. Puis ça fait des années qu'on travaille ensemble pour cette raison-là. Fait que moi, je garde Image Tech, là, c'est la place. Et merci beaucoup, c'est super gentil. Emmanuel et Céline et Mathieu. Quelle et Jonathan équipe? Qui est derrière la Quelle caméra. Ils travaillent fort depuis 27 ans à bâtir cette réputation-là. On n'y arrive pas sans des partenaires comme toi. Donc, merci beaucoup. C'est très gentil. Ouais. Et je vais te souhaiter un bon mix, mon cher. Ben, merci. Continue un bon travail. Merci. All right. Alors, Daniel Ouimet de Kingston Technology. Merci beaucoup, Daniel. On se voit sur le plancher. Bon mix et n'oubliez pas de venir visiter nos plateformes, médias sociaux, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, everywhere, we're there.
Venez nous voir aussi au kiosque 255 ici au MIGS sur le plancher à Place Bonaventure. Merci beaucoup.